chansons, le top de l'actu. Passons au top de l'actu avec Edgar Yves ce matin. Bonjour mon cher Edgar Yves. Ouais, salut. Bon, écoutez les gars, je vous le dis direct, là, je suis crevé. Hein. Oh bah alors. Ah ouais, crevé, ok. Oui, c'est la vérité, écoute, je suis humoriste, comme vous savez, et la perspective de remonter un jour sur scène commence à passer dans le domaine de la légende pour moi. Donc je commence pas à être vraiment crevé. Mon groupe d'amis est en train de se disloquer parce qu'à cause du confinement, on a tous baisé ou eu envie de baiser les uns avec les autres. Donc je te cache pas que maintenant, il y a un peu de tension. Ouais, je comprends ce que je veux dire. Et je suis amoureux d'une meuf qui veut pas sortir avec moi parce que, et là je la cite, elle me voit comme un très bon plat de lasagne, mais elle n'est pas sûre d'avoir faim. Je suis crevé. Je vois très bien que tu es crevé. Bon, désolé en tout cas frère. Mais tu sais peut-être qu'elle hésite juste la dame en fait, non? Non, à mon avis, c'est un vrai bail. Je vais te dire pourquoi. Dis-moi. La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a parlé de son ex en chialant. Trois mois, on est sur un bail technique. Okay, si tu veux une image, c'est comme Koh-Lanta quand c'est la réunification et qu'il y a 10 jaunes pour 4 rouges. Si t'es rouge, tu peux créer l'exploit. Hein. C'est possible. Mais ça part mal. Hein. Voilà, pour ce qui est de ma vie, on peut passer à l'actualité ou si tu veux vraiment vivre ton premier suicide à l'antenne. Actualité, on peut faire. Actualité. Tiens, Nicolas Sarkozy qui a été condamné à 3 ans avec sursis, dont un enferme dans les affaires des écoutes. Tu as vu ça? Oui, bon, désolé, mais moi je partage pas l'enthousiasme général sur la question. Peut-être c'est parce que je suis crevé, mais mais honnêtement, Bruno, pour moi, la justice française, c'est une petite allumeuse, ok? C'est la vérité. Ça fait 10 ans qu'on entend que cette fois-ci, c'est chaud. Que là, Nicolas Sarkozy, là, attention, là, il va y aller. Là, il va faire de la prison. Là, on le sent bien. T'as même des connards dans ton entourage maintenant qui te balancent des bails du style je reviens d'Angleterre là et on parle comme ça là-bas. Hein. Tout le monde me parle comme ça. Les gars ils m'ont dit this time he's not gonna make it. Je veux dire, ils nous ont chauffé de ouf avec cette histoire. Moi j'en peux plus. J'en ai plus rien à foutre de savoir si ce gars est innocent ou pas. À ce niveau de teasing, maintenant tu l'enfermes 2 jours juste pour le kiss. Parce que sinon, moi je vais bifler quelqu'un au hasard. Tant que tu bifles personne dans le studio, tu peux le faire. Non, très bien. Non, parce qu'il y a un autre truc qui est ouf dans ce pays, c'est la partialité totale des médias, Bruno. Nicolas Sarkozy, dès qu'il a une affaire au cul, CNews en parle 1000 fois par jour. Hein? Oui. From the beginning to the end. Ouais, je suis bilingue. Par contre, Vincent Bolloré, il a empêtré jusqu'au cou parce qu'il a plaidé coupable d'avoir corrompu des présidents africains. Et là, l'info, faut la chercher. Hein. Ouais. J'ai essayé pour faire près la chronique, là, 3 mois, c'est un parcours du combattant. Bruno. Tu dois aller dans une forêt. Ouais. Tu te fais fouetter par 2 renards un peu nerveux. Ensuite, t'avances et tu tombes sur 2 nains nus qui te posent une question. Mais il faut pas leur répondre parce que c'est un piège. Ah, okay. Après, t'enchaînes les shooters, tu te fais sauter par 2 orang-outans un peu nerveux. Et là, comme par hasard, Jean-Luc Mélenchon apparaît et il dit la vérité d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va pas. Mais non, ça va pas, putain! Ça fait 5 minutes que je te dis que je suis crevé. Vous avez une tête de lasagne, moi, Bruno? Non, t'as pas une tête de lasagne. Bon, sinon, tu proposes quoi pour lutter contre la corruption dans ce pays? T'as une idée? Bah, tout de suite, là? Oui. Je vais me coucher. Ouais, vaut mieux. Ouais, d'accord. Et,